Nous avons heurté un iceberg. Il n'y a rien sur le sonar, capitaine. Pas besoin de sonar, capitaine. Regardez. Oh. Tous au poste de combat. Kong est très occupé aujourd'hui. Et il est loin d'avoir fini. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un chargement d'armes a été volé la nuit dernière sur un navire, par un monstre marin géant. Bien sûr, personne ne croit le capitaine du bateau. Un monstre marin? Je suis certain que De La Porta est là-dessous. Exact. Il semble que le professeur De La Porta ait organisé des réunions secrètes avec un trafiquant d'armes international nommé André. Ces photos montrent la plateforme pétrolière qui sert de base logistique à André. Il y stocke les armes qu'il revend sans scrupule à des pays en conflit, ou encore à des organisations criminelles. Ouais, je ne vois que deux explications possibles au fait que De La Porta se soit accoquiné avec de telles crapules. Selon moi, le professeur veut se procurer des armes pour éliminer Kong. Pire encore, De La Porta projette peut-être d'attaquer l'île de Kong pour voler les dernières pierres sacrées qui lui manquent. Oh là là, il a l'air épuisé, ton petit frère. Il devrait faire une bonne sieste pour décompresser. Reprends vite des forces, petit frère. Dès que grand-mère aura trouvé la trace du professeur sur le net, nous partirons. Un monstre marin. J'ai commandé des sous-marins assez longtemps pour savoir que ce ne sont que des légendes. Enfin, as-tu appris quelque chose d'autre, Lex? Mes sources confirment que De La Porta est en possession des armes. Ce minable et pathétique petit escroc. Si j'ai bien compris, ce cher professeur trouvait mes tarifs trop élevés et il a essayé de me doubler en utilisant un faux monstre marin. Mais il me le paiera, Lex, je te le garantis. À propos de ce monstre marin, vous pensez que c'est une nouvelle arme? Nouvelle arme ou pas, vrai ou factice, je veux ce monstre. Je te remercie pour ces charmants cadeaux, Giggles. Pourtant, ce n'est pas mon anniversaire.
Oh, un laser de combat Beva Watt. Bon travail, Giggles. Merci. Et en plus, il y en a deux. Oh, Reynaldo, mon bébé, les modifications supplémentaires que j'ai apportées au Cybercom sont un succès complet, mon petit. Toi et Giggles faites un fameux dragon. Dorénavant, Kong et tous ses amis n'ont qu'à bien se tenir. Qu'est-ce que ça signifie? André, ligotez-moi celui-là et enfermez-le quelque part. Comment pouvez-vous oser? Professeur, si avant vous trouviez mes prix trop élevés, maintenant vous allez payer beaucoup plus cher. Nous verrons qui va payer. On a oublié quelque chose, professeur. Si vous y tenez tant, c'est que ce doit être important, non? Fouillez son bureau. Notre ami Ramon a peut-être encore quelques gadgets à nous donner. Hein? Embarquez-moi cette chose. Ça mange quoi, ce truc-là? Ça mange les imbéciles. Cette remarque ne joue pas en votre faveur, mon cher professeur. J'ai une information intéressante. Ramon de la Porta a été enlevé. Enlevé? Par qui? Ramon a subitement annulé un transfert d'argent entre un de ses comptes et celui d'André. Je vois, et les trafiquants d'armes n'aiment pas vraiment les mauvais payeurs. Nous allons devoir le tirer de là si nous ne voulons pas que les cybercoms et les pierres sacrées tombent entre les mains d'André. Sa plateforme de forage ne doit pas être bien difficile à localiser. Je vais m'y atteler. C'est pas vrai! Me dis pas qu'on va aller sauver le professeur de la Muerta, Jason. Je souhaite bon courage à celui qui va expliquer à Kong qu'il doit sauver son pire ennemi. Je sais que c'est dur, petit frère, mais nous n'avons pas le choix. Fais-moi confiance, je t'en prie. Parfait, à présent tout ce qu'on a à faire, c'est d'en finir avec cette mission. Et vite. Top secret justice. Accès interdit. Oh, seulement pour les criminels, mais pas pour moi. Je suis une femme honnête. Jason, je t'envoie les coordonnées de la plateforme. Bonne chance, les enfants. Oui, merci. Soyez prudents. Valoir un sacré paquet, non? Oh, elles n'ont qu'une valeur sentimentale. C'est un héritage que j'ai fait. Écoute. Quoi? Un hydravion et un éclair bleuté? Tous en état d'alerte et tenez-moi informé! Allez,
dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Chut. Oui. Est-ce que tu me reçois, Tan? 5/5. On a marché sur la Lune. Je répète, on a marché sur la Lune. Reçu 5/5. Tu attends ici. Nous, on part en reconnaissance. On t'appelle quand on est prêt. Ce joujou est fascinant, Ramon. Comment est-ce que ça marche? Oh, pour simplifier, disons que c'est un appareil de communication. Très sophistiqué. C'est bien trop compliqué pour vous. Oui, bien sûr. Ce monstre marin qui a attaqué le bateau de guerre, tu le contrôles avec cet engin? Allons, tu vas parler? À quoi bon? Vous n'arriverez jamais à le faire fonctionner, vous n'êtes pas assez intelligent. Oh, vraiment? Alors, regarde! Méta-osmose activée! Jason! Je te tiens. Bah alors, t'as raté une marche? Qu'est-ce qui se passe? Jason, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour vous sauver. Mais ce n'est pas gratuit. Rendez-moi le cybercom et les pierres sacrées. Jeune idiot, ton aide, je n'en ai pas besoin. On parie. Hein? Oh, ce n'est pas possible! Ah, non! Jason! Oh! Ne me fais rien, je t'en prie. Kong! Non! Kong! Non! Il faut le neutraliser. Attention, petit frère! Donnez-moi la main. Oh, Jason! Éloigne Kong de moi! Kong! Attention, Jason!
pouvoir tenir longtemps. Oh, Jason. Et Dune. Nous fêterons ça à la maison, si on est encore en vie. Où est Kong? Il est tombé à l'eau en se battant avec le dragon. Il devient, la dernière fois que je l'ai vu, il disparaissait sous l'eau. Ouais, tu l'as bien eu, petit frère. J'ai envoyé un message radio à la marine. Ils vont repêcher André et ses sbires. Et avec les infos que je leur ai données, ils vont lui mettre sur le dos le vol d'armes. Qu'est-ce que je regrette de ne rien avoir pu leur dire sur le professeur de la Porta. Kong aussi le regrette. En tout cas, nous avons récupéré une pierre. Une pierre sacrée et André hors d'état de nuire. C'est pas mal du tout, hein, gars. Sans compter toutes ces armes qui sont parties en fumée avec la plateforme. Et si André racontait tout ce qu'il sait aux autorités? Il l'a déjà fait. Je viens de me connecter avec l'ordinateur central de la marine. André leur a dit que tout était la faute d'un singe géant et qu'il a été changé en monstre marin. André a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Je crois qu'ils veulent lui faire passer quelques examens. On est des vrais héros, tu trouves pas? Et nous avons une pierre sacrée de plus pour protéger l'île. Et tout ça... grâce à Kong.